Lucie Castet victime de propos homophobes sur CNews. Les propos de l'écrivain Richard Millet dans l'émission « L'heure des pros » ont suscité un tollé sur les réseaux sociaux. Lesbophobie crasse, abjection, n homophobe. Des propos tenus sur CNews par l'écrivain Richard Millet à propos de Lucie Castet, candidate du NFP au poste de première ministre, ont suscité un tollé sur les réseaux sociaux et une condamnation unanime des élus de gauche, dont certains ont effectué un signalement auprès de l'ARCOM. Dans l'émission L'heure des pros, diffusée ce vendredi sur CNews, l'auteur qui avait suscité la controverse avec son livre Éloge littéraire d'Anders Breivik en 2012 a qualifié la haute fonctionnaire de sexuellement incorrecte. Enfin, vous voyez, ce n'est pas possible. Dans cette séquence, abondamment visionnée sur les réseaux sociaux, l'écrivain prend la parole pour commenter la candidature de Lucie Castet à Matignon. Qui c'est cette femme Une inconnue, sexuellement incorrecte en plus. Tout ça, ça va ensemble, qui est de gauche. Enfin vous voyez, ce n'est pas possible, déclare l'écrivain. Face à de tels propos, Pascal Pro, un peu gêné, reprend son invité. Qu'est-ce que vous avez dit Le modérateur que je suis doit rectifier, intervient le présentateur. Richard Millet tente alors de se rattraper en développant son propos. On choisit une inconnue et on regarde son profil. Par hasard, son orientation sexuelle est tout à fait correcte, précise l'auteur. Qu'est-ce que ça veut dire une orientation sexuelle correcte questionne alors Pascal Pro. C'est l'ensemble des choses, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, se défend Richard Millet. Le présentateur fait ensuite remarquer à son invité que le débat ne concerne pas la sexualité de la candidate. Mais ce dernier persiste. Ça fait partie du sujet. C'est presque une construction. Une femme de 40 ans, pas mal. Elle est sexuellement bien orientée selon les nouvelles normes du nouveau monde. Lorsqu'on est dans une logique politique de ce genre, c'est un plus, argumente Richard Millet. Des propos, abjects et lesbophobes. Ces propos ont choqué de nombreux internautes, mais également plusieurs élus de gauche qui ont apporté leur soutien à la candidate. Sandrine Rousseau, députée écologiste, a fermement condamné sur X, anciennement Twitter, la séquence. L'homophobie est un délit, pas une opinion politique. Pascal Pro, vous êtes responsable de ce qui se dit sur votre plateau. Y compris pénalement, a rappelé l'élu écologiste. On sait depuis longtemps que Richard Millet est un cuistre fasciste. Si CNews l'invitait, c'est pour délivrer les ordures constitutives de sa pensée, a pour sa part déclaré le député insoumis Adrien Clouet. La députée Sophie Taillet-Polliant, Génération S, a quant à elle dénoncé des propos abjects et lesbophobes, annonçant saisir l'ARCOM. La réaction très modérée du plateau est une honte. CNews offre une tribune réactionnaire et homophobe, elle doit être condamnée, a-t-elle ajouté. Le leader du Parti communiste, Fabien Roussel, a également annoncé saisir l'autorité indépendante. Face à la haine homophobe, le régulateur doit agir avec la plus grande fermeté, a-t-il notamment déclaré sur X. CNews est régulièrement dans le viseur du régulateur de l'audiovisuel. Selon un décompte du monde réalisé en juillet dernier, C8 et CNews, les deux chaînes du groupe Bolloré cumulent quarante-sept sanctions de l'ARCOM depuis 2012.